Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Est-ce que tu as vu le dernier numéro de Top Model? C'est un spécial Halloween. Abracadabra. Ouais. Et si on rajoutait un petit cadeau? Abracadabra. C'est parti, on commence par le Top Model. Coucou les amis, je viens me rejoindre parce que j'ai l'impression que Sindel a des choses super intéressantes entre les mains. Est-ce que je peux me joindre à toi? Oui. Ouais, alors qu'est-ce que c'est que tu as dans les mains là? C'est quoi? Tu peux nous le montrer? Un magazine d'Halloween. Oh, Top Model, mais c'est super ça. Oui. Ouais, toi t'adores Top Model. Oui. Qu'est-ce qu'il y a sur cette couverture? Tu nous remontres un peu s'il te plaît? Moi j'ai hâte de voir. Waouh! Alors deux jeunes filles. Super bien maquillée, on a des tutos, on a des interviews, ok super. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? J'ai l'impression que ça se décolle. Ce qui est accroché à la couverture, c'est quoi là? Ça? Ouais, ça c'est quoi? C'est un morceau de pâte d'autocollant et derrière là... Je peux voir? Tu me montres? Une tonne d'autocollant. Oh, mais c'est génial! Oui, la même au petit château d'Halloween. Waouh, c'est génial, j'adore ça. C'est une planche d'autocollant en fait, il y a un chat noir, il y a des écritures, il y a quoi? Il y a des petites sorcières, des fantômes, mais c'est super! On a le petit sommaire. Le petit sommaire. Ouais, alors qu'est-ce qu'on y voit sur ce sommaire? Donc ouais, en fait le sommaire ça nous dit exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, alors exactement, il y a des tutos pour les activités d'Halloween, c'est ça Sindel? Oui. Ouais, des tutos pour le déguisement je crois. Oui, ici. Ouais, exactement. Et ben écoute, on va voir tout ça. Allez, c'est parti. Ça, c'est de quoi ça? C'est des interviews? Oui. Alors, des petites interviews d'un peu toutes les stars qu'on connaît, hein, de toutes les séries. C'est génial, on va en apprendre un peu plus sur nos stars préférées. Alors, ensuite. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a? On a une petite histoire. Ouais. Oh, une petite histoire de sirènes comme on les aime. On adore les sirènes, on adore les licornes. Tout ce qui est kawaii, quoi. Ok, ensuite, c'est sirène Mijou. Aussi, si vous aimez les sirènes, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ouais, si vous aimez les sirènes, un petit pouce bleu comme a dit Sindel. On continue. Oh, c'est ensuite, quoi? On a un exemple. Un tuto? Oui, un tuto. Ouais, je vois d'ici, d'accord. Comment faire des mugs d'Halloween? D'accord, alors tu nous montres? Le fantôme. Ah, je crois reconnaître de là. Ouais, c'est le fabuleux Noël de Monsieur Jack, Mr. Jack, je crois. Enfin, un truc comme ça, je sais plus. Jack et Pointaille. Ouais, je sais plus. Enfin, vous connaissez mieux que nous, certainement. Et Nola n'est pas là, donc sinon elle nous le dirait. Et donc, alors, ils nous apprennent à faire un tuto. Ils nous apprennent à faire un. Un mug, c'est ça? Oui. Et à côté, c'est quoi? La page d'à côté, je crois que c'est encore un... Ah non, c'est une recette de cuisine, c'est ça? Oh là là, oui. Mais on va refaire des choses pendant ces vacances avec ce livre. Ah, c'est un... Avec trois yeux qui ressortent comme ça en bas. Ah, je sais ce que c'est, comment ça s'appelle? C'est les petits Oreos. Mais oui, voilà, les petits Oreos Halloween. Et je crois qu'en plus, ça brille vraiment la pâte. Non, je pense pas, non. Alors d'accord, c'est des petits tutos. Pour des activités de ce côté. Et là, on a la recette de cuisine pour faire des trucs Oreo, quoi. Des Oreo spéciales Halloween. Ok, allez, on continue. Voilà, là, on a une recette de slime. Est-ce qu'il y a écrit quelque chose de particulier? Tout plein... Ah, d'accord, c'est un slime bave. D'accord. Donc, peut-être de la bave de monstre ou de fantôme. Et à côté, c'est quoi? C'est des petits fantômes en guirlande. Alors, ils nous montrent comment fabriquer des petits fantômes en guirlande. Eh ben, on va être pas mal occupé pendant les vacances. Oui. Hein? Allez, ensuite, on va dessiner. Ah non, tu sais ce que c'est? Je crois que c'est des top modèles dessinés par les fans des top modèles. Oui, c'est ça. C'est les top modèles dessinés par les fans de top modèles. Alors, si vous êtes parmi ceux qui ont dessiné sur cette page-là, eh ben, écoutez, faites-nous signe. Hein, si vous voyez votre dessin sur la page, faites-nous signe aussi. Et abonnez-vous. Allez, on continue. C'est quoi? Ah, c'est rien. Des jeux de mots. Ouais, je pense que c'est des jeux, oui. Des jeux de mots. Des jeux pour te. Des jeux pour te divertir. Bah, c'est pareil, c'est une double page de jeu. Ah non, là c'est l'horoscope. Donc ça va parler de ton signe. Toi tu es Capricorne et moi je suis Gémeaux. Et là on a une planche de jeu.
C'est ça, Sindel? Oui. C'est quoi comme jeu? Tu arrives à voir? Parce que moi, je vois pas d'ici. Ça? Ouais, ça. C'est les jeux de mots. Et en dessous... Les jeux de mots de l'eau, quoi. En dessous, c'est pareil, mais avec les mots. D'accord. L'autre page, on y va. On tourne, on continue. Je sais rien, mais il faut que je me passe. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop mimi. C'est ton mimi. Mais c'est pour ça qu'on est... Oh, oui, on adore, on adore. Adélie, Luna. Il y a un petit chien. Attends, mets-toi plus par là parce que je te vois pas. Bienvenue sur notre terrasse. Ah oui, en fait, voilà, ça c'est le coin astuce. On te donne quelques astuces pour améliorer ton quotidien, pour customiser tes affaires. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment très intéressant comme livre. Il est quand même assez complet. On n'a pas fini, mais il est quand même assez complet. Qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi? Un tuto de dessin. Là, ici, voir. Ah oui, c'est ça. Ouais, un tuto de dessin et coloriage. Magnifique. Waouh! Alors ça, c'est quoi? C'est le rendu que ça doit donner. Eh ben, si on arrive à faire ça... C'est vraiment... Tu arrives? Ça vaut vraiment la peine. Ouais, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Oh, même! Je sais pas si vous avez remarqué. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça, en vrai, c'est de la même vraie mousse qui a... Ah, c'est de la vraie mousse? Oui, et même là, elle a fait une araignée. Ah, d'accord. C'est trop cool. Ah, un petit poster et les top modèles. Ah, ça c'est génial. Ils t'ont mis une top modèle à faire. Là, alors là on voit pas bien. Alors j'ai une lave-vaisselle qui sonne, merci. Alors. Ah bah là, la tête qui me fait. Boum, je fais tout tomber. C'est pas grave. Donc là vous voyez pas très bien, mais en fait il y a une petite top modèle à faire. Voilà. Et ça c'est quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Goodbye summer, hello autumn. Au revoir l'été et bonjour à l'automne. Et elle est vraiment super jolie. Oh, c'est magnifique! Alors, on a une série de posters, là, c'est ça? Oui, bah oui, oui, oui. D'accord. Donc, les amis, j'ai enlevé le poster pour Sindel. Tiens, tu veux le montrer? Alors, à quoi ça ressemble? Waouh! Et ce ne sera pas le premier poster que tu as, hein, de top modèle. Alors, on a un côté comme ça, tout rempli de petites chauves-souris, de citrouilles et tout ça. Et ensuite, on a le beau poster de la belle sorcière. Même si c'est une sorcière avec son petit chat Salem et son chaudron, eh ben, c'est vraiment très très joli. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, alors tu as... Il y a des trucs avec les appliques carrément à colorier en fait. D'accord, ben voilà, tu l'as là, tu vas pouvoir le faire toi aussi. Oui. Voilà, t'es contente? Oui. Ensuite, c'est pour écrire ton emploi du temps. Et là, c'est une autre top modèle. Ok, on continue. Donc, l'emploi du temps, toi, pour l'instant, tu n'en auras pas besoin. Et bah, en fait, c'est comme ton frère et ta sœur, quand ils sont au collège, tu vois, ils mettent leur emploi du temps dessus. En fait, sur cette page, ils te montrent à quoi servent les applications sur les téléphones. Et sur l'autre, ils t'aident, ils te donnent des combines pour mieux t'en sortir avec ton téléphone, enfin, avec ton smartphone, plutôt. C'est ah oui, mode... c'est trois looks. C'est trois... Et en fait, on te donne trois looks pour Halloween. Alors, ah oui, en fait, c'est la mode pour Halloween et on te donne trois looks pour Halloween. Trois looks fashion pour Halloween. Des idées de looks pour Halloween, pour l'automne, pour le... Voilà, c'est pas forcément pour Halloween, hein, mais c'est pour un temps automnal. Le sac, il est trop fashion. C'est un petit nounours, le sac. Il est vraiment très beau. La, 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 la. Allez, on continue. Ouais, une histoire comme on les aime, avec des vampires, avec des jolies filles, avec des costumes. Non, ça change des livres de lecture, hein? Oui. Allez. Wow. Par contre, c'est joli, mais je sais pas que c'est. Oh, la jolie petite sirène. Une sirène se cacherait-elle en toi? Eh ben voilà, en fait, c'est un test pour savoir si tu as une âme de sirène. Tu peux avoir une âme de licorne, une âme de sirène, une âme de nounours. Une âme de lama comme Enola. Après, ici, on trouve une page pour s'abonner. Ouais, si on veut s'abonner. Tu nous montres un petit peu? Je regarde vite fait les tarifs d'abonnement. Alors, la souscription au prix annuel est de 58 euros. Pour combien de magazines? Pour 12 magazines, plus un cadeau de bienvenue. Et je pense que... Je pense que chaque magazine a un petit cadeau quand même. Un petit quelque chose. Pour te souhaiter la bienvenue, un joli... Cadeau top modèle, sans risque, prix assuré. Voilà, ton magazine préféré, tout ça. Voilà, donc si vous avez envie de vous abonner, lancez-vous. Bah, écoute, moi je le trouve pas mal ce livre. Ouais, si. Ouais. Tiens, ben, moi j'ai hâte de voir ce que c'est ton petit squishy. Oui. Attends, viens, je t'enlève le plastique. Montre-nous le paquet derrière, là.
Allez, moi j'ai hâte de voir ce que c'est, ce petit squishy. Attends, je vais juste regarder. Ouais. Une collection de caca squishy. Ah, d'accord, c'est une petite collection de caca squishy. Ok, donc c'est les wishy squishy. Wishy squishy. Ah, c'est dur à dire. Wishy squishy. Wishy squishy. Allez, vas-y, ouvre tout ça. Ah, ça fait la peau. Ouais, ça y est! Un caca martien! Fais-nous voir! Ça sent! Ça sent, mais j'espère que ça sent pas le caca! Ah, oh, il est trop, trop mignon! Trop... Oh, c'est super! Regardez! Hop, hop! Et on va mettre une tempête! Alors, je vais le sentir, les amis! Tu vois, il sent! Oui, enfin, il sent l'industriel, quoi! T'es trop! Non, mais il est bien quand même! Il est très, très beau! Il faut juste ne pas le sniffer! Non, je plaisante, il est vraiment très joli. En tout cas, ils sont pas le caca, c'est déjà ça. Et donc voilà. Et on a. Ils sont les petites gaufrettes de chocolat. Là, je sais pas si vous pouvez. Et en fret. Et en fait, il y en a 1, 2, 3, 4. Attendez, je fais un mise au point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toi, tu as Flower Poo. Sure. Donc le caca fleur. Voilà. On ne peut pas un poo. Flower Poo. Allez, il est temps de conclure cette vidéo, Sindel. Oui. Allez, on conclut la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, faites exploser le compteur de like. Partagez. Commentez. Et abonnez-vous. Nous, en attendant, on vous fait des gros bisous. Petit caca vert. Nana.